Bonjour, bonjour tout le monde. Et bravo pour ceux qui sont venus, qui ont bravé le mauvais temps. Donc j'ai l'honneur, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Jouventin, alors qui ne va pas nous parler aujourd'hui d'un ouvrage sur les loups ou sur d'autres animaux, mais qui va nous parler d'une personne, d'une espèce de génie qu'il a croisé dans sa vie et qui est en train de devenir quelqu'un dont on parle de plus en plus, Alexandre Grothendieck, qui était donc un mathématicien de génie, qui a disparu il y a déjà quelques années, dont on ne parlait plus, enfin après sa mort on en a peu parlé, et qui aujourd'hui est en train de ressurgir, dont on a publié son livre, en deux tomes chez Gallimard, Semaille et Moisson, qui est une espèce de journal de bord de Grothendieck. Et Pierre Jouventin l'a croisé donc à deux reprises assez longuement dans sa vie et a écrit un ouvrage pour raconter son Grothendieck. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Peut-être d'abord deux mots pour vous présenter vous, puisque vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous avez dirigé un laboratoire et vous êtes un spécialiste d'éthologie, donc de comportement des animaux, et d'écologie. C'est ça ? Écologie scientifique, pas écologie politique. Écologie scientifique, bien entendu. Et donc, vous allez nous raconter un petit peu dans quelles circonstances vous avez rencontré Grothendieck. Mais peut-être qu'avant, on va raconter en deux mots, grande ligne de la vie de Grothendieck. Je vous laisse le présenter. Ben, c'est une vie extraordinaire. Hein. C'est rare de rencontrer un bonhomme qui a une vie aussi pariée, aussi surprenante. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à... D'une part, je l'ai rencontré par hasard à Paris. Je ne savais même pas que c'était un mathématicien célèbre. Et il publiait à l'époque sa revue « Je survivre et vivre » qui commençait à tourner à 10 000, 12 000 exemplaires. Et donc, il voulait passer de la Ronéo à l'offset. Et donc, moi, je m'y connaissais pas mal dans l'imprimerie offset. Donc, je l'ai guidé pour monter une imprimerie offset. Et c'est comme ça que je l'ai connu, sans savoir qui il était réellement. Alors, et puis ensuite, dites-nous un peu qui il était ou d'où il sortait aussi, parce que l'itinéraire familial est quand même extraordinaire. Il justifierait. Oui, en fin de compte, c'est le fils de son père, parce que son père, c'était, c'est peut-être le héros anarchiste le plus connu, parce qu'il a été condamné 5 fois à mort par des régimes différents. Donc c'est vraiment bizarre. En Russie. En Russie, d'accord. En Allemagne, en Espagne et en France, puis par les nazis. Donc, ses parents sont des anarchistes, le père autant que la mère. Le père a été un militant et à un moment donné a essayé de monter un attentat contre le tsar de Russie. Donc, c'était avant la révolution de 17. Et alors ensuite, donc lui, il est le fils. Oui, enfin, il faut voir quand même, partant du début, c'est-à-dire que c'est quand même un cas particulier, son père. Hein. Il s'appelait d'ailleurs pas Grothendieck, c'est sa mère qui s'appelait Grothendieck, qui s'est pas mariée avec son père et qui a pris, il a pris le nom de sa mère. Et il s'appelait son père Shapiro et Alexandre Shapiro. Et c'était un anarchiste particulier parce que à 14 ans, il faisait partie déjà d'un groupe anarchiste et il avait prévu de faire un attentat contre le tsar pour le tuer. Et ils ont été attrapés par la police auparavant, enfin attrapés en force, hein, ça, il y a eu une lutte. Et puis ensuite, tous ses collègues, ses copains, ont été exécutés, sauf lui, parce qu'il avait 14 ans. Et donc, il s'est retrouvé en prison, à vie, jusqu'à ce que le régime soviétique se change, c'est-à-dire qu'il a été libéré par les bolcheviks et il est reparti dans la nature. Et là, comme il était anarchiste, il n'était pas marxiste. Donc, petit à petit, il s'est retrouvé en opposition avec ceux qui avaient le pouvoir, qui ont trouvé que ça n'allait pas et qui l'ont remis en prison à vie. Donc là, il a fait plusieurs tentatives d'évasion. Et en particulier, il a perdu un bras à suite de se faisant tirer dessus. Et puis, il a pu quand même arriver à partir. Et puis là, il est passé en Allemagne,
où Hitler était en train de prendre le pouvoir. Et donc, il était à nouveau en danger de mort. Donc, il a été obligé à nouveau de partir. Et donc, troisième condamnation à mort. Et puis ensuite, il est parti en France en particulier, où il est devenu photographe ambulant pour gagner sa vie, tout en continuant son activité de militant. Et Grothendieck, lui, est né donc en Allemagne, voilà, à cette période-là. Voilà. Mais alors, les parents étaient tellement militants qu'ils ont estimé que c'était plus important d'aller en 1936 participer à la guerre d'Espagne pour mettre en place un régime, une société anarchiste dont ils rêvaient. Et ils ont laissé leur fils à un pasteur protestant en Allemagne. Donc, ce qui fait qu'il a quasiment pas vu son père, en particulier. Et donc, ses parents, ensuite, lors de la retirada, c'est-à-dire la retraite des républicains espagnols, sont revenus en France. Là, leur fils leur a été envoyé par le pasteur, soi-disant pour des vacances, mais en réalité, c'était pour l'exfiltrer, pour lui garantir la survie, parce qu'en tant que juif, il était condamné. Et puis, ensuite, il a fallu que ce soit la police de Vichy qui aille attraper et qui aille les mettre sous clé et qui mette d'une part la mère et le fils dans un camp de concentration en Lozère pour femmes et puis le père dans un camp de concentration pour hommes dans les Pyrénées en Ariège. Mmh. Et là, il a été ensuite envoyé à Auschwitz. Donc, et ça, comme... c'est le père qui a fait partie d'un des derniers qu'on voit, voilà, pour Auschwitz. Voilà. Et donc, mort là-bas, donc, il est mort en priorité parce que, étant déjà infirme, il ne représentait plus d'intérêt pour les nazis qui utilisaient les prisonniers pour leur travail. Donc, il a été zigouillé aussitôt. Et Alexandre, lui, donc, est resté avec sa mère. Voilà, il est resté avec sa mère dans d'abord. Camp de concentration. Dans la concentration, le premier camp de concentration pour femmes, c'était relativement tolérant. Donc, il laissait partir le fils tous les jours au lycée de Mende pour faire suivre sa scolarité. Et c'est là qu'il a découvert les mathématiques. Et puis ensuite, quand Grothendieck s'est retrouvé avec sa mère, envoyé dans un autre camp de concentration beaucoup plus dur, là, ils ont vu qu'ils allaient être exécutés. Donc, ils se sont évadés. Et ils sont arrivés à Chambon-sur-Lignon, où se trouvait un collège de protestants qui sauvait les gens qui étaient en danger, que ce soit des jeunes républicains espagnols ou des juifs, comme Grothendieck. Et donc, il a passé toute la guerre comme ça, caché. Chaque fois qu'il y avait des visites des nazis, il se cachait dans la forêt. Et donc, il a eu une enfance très particulière. Là, il était adolescent. Oui. D'accord. Et ensuite, vive la fin de la guerre. Quand il y a eu la fin de la guerre, il avait fini son bac. Et donc, il fallait qu'il choisisse quelque chose. Comme il a une prisonnière du camp de concentration, l'avait initié aux mathématiques, qu'il avait trouvé ça très bien, il a choisi une licence de mathématiques à l'université de Montpellier. Donc, il est allé à Montpellier, mais il avait vraiment une mentalité anarchiste au sens strict du terme, parce qu'il suivait très peu les cours et considérait que tout s'apprend par soi-même. Il a d'ailleurs dit une fois à quelqu'un qui l'interviewait, lui demandait quels étaient ses livres. Il disait, moi, les livres, je les lis pas, je les écris. et donc, c'était vraiment quelqu'un... Et en fin de compte, c'est ce qui fait l'originalité de sa méthode en mathématiques. Parce qu'il reprenait tout à la base. Il se servait très peu des bouquins. D'habitude, un scientifique comme je le suis commence par lire les publications et arrive à percevoir l'état des connaissances. Oui, on assimile ce qui est existant. Et à ce moment-là, il sait ce qu'il va avoir à faire, puisque c'est la suite, ce qui manque. Alors que lui, il repartait complètement à la base, il refondait les mathématiques. Et donc, c'était tellement bizarre. Bon, à la fois, il surprenait les chercheurs et les universitaires, mais aussi, ça lui a permis de renouveler les mathématiques et de les refonder. C'est-à-dire qu'il cherchait complètement à l'origine les fondements des mathématiques, et ensuite il reconstituait, et il faisait ça presque, c'était presque mystique d'ailleurs, c'est la fin de sa vie, il deviendra complètement mystique, c'est-à-dire qu'il cherchait à s'imprégner du problème, et puis au lieu de forcer pour essayer de trouver la solution, il essayait de décanter tout ça, il y réfléchissait. D'accord, mais on va essayer de reprendre le fil
de sa vie. Donc on vient de le quitter, là, il est à la fac. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors à la fac, ben, il a surpris évidemment son professeur de mathématiques. Ce n'était pas une université de très haut niveau, l'université de Montpellier mathématiques. Mais il était arrivé là simplement par problème de proximité, de voisinage. Et néanmoins, son professeur a vu qu'il était particulier, parce que pour le plaisir, il réinventait les mathématiques. Et donc, d'une part, quand il était au collège de Mende, il a, par exemple, réinventé pi, c'est-à-dire la, et il a trouvé 3 au lieu de 3,14. Donc, il est tellement sûr de lui qu'il croyait que c'était le bouquin qui s'est trompé. Enfin, c'est pour vous montrer le personnage. Et puis ensuite, quand il est revenu donc en université, il a toujours passionné. Il n'avait pas du tout la vision des mathématiques laborieuses de l'université. Il considérait, il est quasiment pas au cours. Et donc, il essayait de réinventer. Pour lui, c'était des problèmes intéressants qu'on résolvait par plaisir. Oui, comme du jeu. Voilà. Et donc, il monte à Paris. Alors non, d'abord, il essaie il attaque des problèmes qui savait même pas qu'ils avaient déjà été résolus. C'est là, par exemple, la conjoncture de la Bègue, qui est par exemple l'évaluation d'un volume dans l'espace. Comment on peut évaluer ça? Et donc lui, il a réinventé ça, et puis il a montré à son prof, qui lui a dit mais ça fait 50 ans que c'est connu. Donc, en réalité, il était très particulier. Mais néanmoins, son professeur s'est rendu compte que c'était un gars particulier, mais qu'il avait quand même des capacités, parce qu'il fallait quand même des capacités pour arriver à réinventer les mathématiques. Alors là, son professeur de l'Université de Montpellier l'a envoyé à Paris à un correspondant qu'il connaissait bien, qui était Henri Cartan, et qui était professeur de mathématiques à l'École normale supérieure. Et donc, il est venu le voir, il a eu une bourse, il est venu le voir, il a écouté, et en écartant, le professeur est un peu surpris par ce bonhomme qui lui fonde l'amphithéâtre, le tutoyer, et lui parler d'égal à égal. C'est un peu bizarre de la part d'un étudiant, d'autant plus qu'on voyait bien qu'il n'avait pas les bases. Enfin, il y avait des tas de trucs qu'il ne connaissait pas. Donc, il s'est dit, je vais l'envoyer à des grands spécialistes, à Nancy, à l'université de Nancy, Laurent Schwartz, les gens du donné. Oui, les grands mathématiciens. Voilà, dont l'un, Laurent Schwartz, était la première médaille Field qui a été obtenue en France. C'est-à-dire, la médaille Field, c'est un peu l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Ça n'existe pas, le prix Nobel de mathématiques. C'est l'équivalent de médaille Field, c'est l'équivalent. Et c'est attribué à un jeune mathématicien de moins de 40 ans qui a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Et alors, les deux profs l'ont fait plancher, ont voulu lui rabaisser le caquet, et lui ont dit, voilà, on a fait l'analyse de tous les problèmes actuels qui se posent en mathématiques qui ne sont pas résolus, en voilà 14 qui se posent, choisissez celui qui vous paraît soluble, et puis revenez, on verra ensuite pour la suite, pour éventuellement faire une thèse. Bon, il est parti, il a disparu pendant quelques semaines, et il est revenu en disant, voilà, j'ai résolu la moitié des problèmes. Ah oui, donc, non pas un problème, mais voilà, la moitié des problèmes. La moitié, et en plus, quelques semaines après, il est revenu, il avait tout résolu. Donc, il s'est dit, qu'est-ce que c'est, ce gars incroyable, quoi. Alors, ils ont vu qu'il avait des dons extraordinaires, mais ils voyaient qu'il manquait de base. Or, eux, alors là, il faut replacer dans l'histoire des mathématiques, les mathématiques françaises à cette époque étaient les premières au monde. Et il y avait en particulier le groupe Bourbaki. Le groupe Bourbaki, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des sciences et des mathématiques, c'était un groupe fictif. Bourbaki n'existait pas, c'est un canular de normaliens qui ont inventé ce personnage, qui représentait en fin de compte un groupe de plusieurs normaliens qui essayaient de refonder les mathématiques, c'est-à-dire de les unifier et de les rendre plus efficaces et de revenir aux bases des mathématiques pour leur donner plus de solidité, parce qu'ils estimaient que les mathématiques étaient en train d'exploser. Et donc, lui, ça lui convenait tout à fait. En plus, ils étaient très orientés sur la recherche pure plutôt que sur la recherche appliquée. Et lui, c'était exactement ce qui lui convenait. Donc, en réalité, il replaçait son esprit un peu libertaire dans les mathématiques.
Et donc, il s'est lancé dans les mathématiques et on lui a fait. Le problème, c'est qu'il était apatride. Il n'était même pas français. Donc, il ne pouvait pas avoir un poste. À l'époque, on ne pouvait pas avoir un poste au CNRS ou à l'université sans être français. Donc, il est parti au Brésil, puis aux États-Unis. Il a vu un peu les différents laboratoires. Et puis, en fin de compte, les Français auraient bien aimé le recruter, mais ils ne pouvaient pas, puisqu'il n'était pas français. Et un industriel français qui était un obsédé des mathématiques a décidé de copier le système qui avait été mis en place pour Einstein à Princeton, à l'université de Princeton, c'est-à-dire de créer un mini CNRS, mais encore plus tolérant. Moi, j'étais au CNRS, j'étais pas mal. J'avais pas d'obligation d'enseignement, j'avais que des obligations de recherche, c'est-à-dire qu'il suffisait que je fasse des publications dans les revues internationales. Idéal. Bon, j'en ai fait 230, je trouvais ça très facile. Et puis, en fin de compte, lui, ils ont créé d'abord un mini CNRS pour lui spécialement. Et donc, Léon Motchan, le gars qui a organisé ça, il a créé donc une structure particulière. Jusqu'à... Ça, c'était l'IHESS, l'Institut des hautes études scientifiques. Oui, alors ça s'appelait l'Institut des hautes études scientifiques, IHESS. IHESS. Et donc, qui était une structure presque faite sur mesure pour lui. Mais c'est là qu'on voit que c'est un gars particulier. C'est qu'à ce moment-là, il était devenu célèbre au niveau des mathématiques mondiales. Donc, c'était une star. On disait que c'était le Einstein des mathématiques. Parfois, certains le considèrent l'Einstein des mathématiques comme Einstein pour la physique, vous voyez. C'est-à-dire qu'en réalité, il a refondé les mathématiques. Il a créé une nouvelle branche. Voilà. Alors, en fin de compte, pas tout seul, mais enfin avec Dieudonné, qui était son directeur de thèse, lui a servi de plume pour rédiger des éléments de géométrie algébrique qui étaient un peu la Bible d'une nouvelle discipline. Et donc, mais ça s'est arrêté. Il a découvert d'abord, il était complètement dans les mathématiques et obsédé uniquement. Il avait une capacité de travail gigantesque, c'est-à-dire qu'il pouvait travailler 18 heures d'affilée. 18 heures ? Oui, et plusieurs jours d'affilée. Alors qu'en mathématiques, quand vous travaillez 2-3 heures, vous êtes bien fatigué. Donc c'était particulier. Et donc, il écrasait tout le monde par ses capacités. Et jusqu'à ce qu'il découvre la guerre du Vietnam, et qu'il découvre qu'il aille lui-même voir au Vietnam, et qu'il se rende compte, enfin, ou du moins qu'il en déduise, que la recherche scientifique, en réalité, était mouillée, était concernée par l'armée. Oui, il avait découvert également que son institut donc de hautes études scientifiques était en petite partie financé à 5%, par l'armée. À 5%, alors, c'est là que vous voyez 5% de trop. Oui, non, mais lui, c'était tout rien. Hein, Et donc, il a décidé de démissionner, alors qu'on l'avait créé pour lui. Donc, ses collègues étaient un peu surpris, parce qu'ils se disaient, c'est un enfant gâté, il a tout eu sur mesure, et puis, en fin de compte, il a tout tombé. Et donc, à ce moment-là, il a décidé il a arrêté. En fin de compte, sa carrière scientifique, c'est tout petit, ça dure 13 ans. Mais après, il décide qu'il faut arrêter la science. Et donc, c'est ça l'originalité de Grothendieck, c'est que ce que j'ai mis dans le sous-titre du bouquin, c'est dans mon petit bouquin qui est modeste, qui essaye de comprendre comment on peut à la fois être un génie des mathématiques, parce que de la vie générale, moi, je suis pas très féru en mathématiques, mais enfin, de la vie générale, bon, c'était vraiment un cas particulier. Il a refondé. Certains le considèrent non seulement comme le plus grand mathématicien de son époque, mais même toutes les mathématiques, parce qu'il a refondé un peu toutes les mathématiques en les reprenant à la base. Et donc, c'est évidemment curieux que ce soit là, ce gars-là qui, d'un seul coup, remette tout en question et laisse tomber. Et alors, avant, il engueulait, comme c'était un bureau de travail, il avait toute une dizaine d'étudiants qui travaillaient avec lui et auxquels il confiait les travaux simples. Et puis, lui, c'était plutôt le programme, il faisait le programme d'ensemble. Et il faisait diriger ça de très haut. Et puis ensuite, il a réuni tout ça. Donc, en 13 ans, il a fait un travail énorme. Et après ça, il arrête. Alors, avant, il disait... Il y a un autre élément. On est dans les années 68, là. Oui. 68. Ses étudiants trouvent qu'il a un comportement de mandarin.
Il y a lui et il y a les autres. Alors, c'est pas tellement des étudiants, c'est surtout que c'est juste à l'époque 68. Donc, il va voir les étudiants de 68 et les 68ards. Et il commence à se présenter. Ils lui disent « Tu es un mandarin, on te méprise, etc. » Alors, lui, il est un peu surpris. Hein? Il tombe de haut. Ben oui, lui, il se plaçait exactement dans l'opposé. Et donc, il est un peu surpris. Et puis, en fin de compte, il devient un militant. Et aux étudiants auxquels il demandait de travailler comme des fous, d'un seul coup, il leur dit « Il faut arrêter la science. Il faut arrêter les mathématiques, il faut arrêter la science. Vous vous prostituez à travailler, vous faites du tort. Le remède au lien entre science et crédit militaire et guerre et toute la violence, etc., et la société dans laquelle on vit, c'est il faut que les chercheurs sortent de la science. À quel élément vous attribuez ce changement? C'est mai 68, c'est son voyage au Nord-Vietnam. Oui, absolument. Oui, ben oui, parce que c'était, en fin de compte, il a vécu une vie très particulière. Il était menacé de mort. Par exemple, moi, je raconte rapidement dans mon bouquin, je lui ai parlé de Johnny Hallyday, il ne savait pas qui c'était. Le truc, il était en dehors du monde. Donc, d'un seul coup, il découvre le monde et il s'imagine que les démonstrations qu'il était capable, parce qu'il avait des capacités énormes de concentration et de démonstration, donc il considère que ce qu'il a obtenu en mathématiques et qui a permis de convaincre tout l'auditoire, parce qu'en mathématiques, quand la démonstration est faite, si elle est bien faite, c'est direct. Ouais. Et donc, on n'a pas à revenir dessus. Il s'est imaginé, moi je pense un peu naïvement, que dans la société, dans les sciences humaines, c'était pareil. C'est-à-dire, et comme il avait quand même une capacité de logicien très forte, il voyait qu'on allait vers des problèmes que maintenant on appelle effondrement, crise écologique, etc., et il annonçait ça, et il en était tellement persuadé, c'était une sorte de messie. Il était convaincu que tout le monde allait abonder dans son sens. Alors il a fait d'ailleurs des conférences dans son université pour expliquer aux autres collègues ce qui allait arriver, et donc pour leur proposer d'arrêter la recherche. Et ça s'appelait d'ailleurs « Faut-il continuer la recherche scientifique ?» Moi-même, j'étais directeur de recherche au CNRS et directeur de laboratoire. Il voulait que je démissionne du CNRS. Il me disait, moi je lui disais, c'est naïf, tu t'imagines pas que parce que je vais démissionner du CNRS, je vais arrêter le lien entre la science et puis tout le monde, l'écologie, l'éthologie et l'écologie. En plus, je lui disais, bon, travailler sur les manchots, ça amènera pas beaucoup de bombes. Ça, on s'en servira pas pour faire des bombes. Comment est-ce qu'était Grothendieck dans la vie quotidienne? C'était assez ambigu, c'est-à-dire qu'il était d'une part très sympathique. Mais quand il n'était pas d'accord, il était complètement contre. Hein. Il se mettait en opposition. Il ne cherchait pas le compromis. Il ne cherchait pas du tout le compromis. Enfin, il était agréable comme bonhomme. Hein. Mais quand il avait des opinions, il est porté jusqu'au bout. C'est comme il avait fait dans mathématiques. En fin de compte, il était très persuadé. Quand il réfléchissait à un problème, et quand il avait obtenu ce qu'il estimait la solution, il estimait que c'était la vérité, c'est tout ce qui lui convenait, c'était bon. Et en mathématiques, bon, il arrivait à le démontrer, mais en sciences humaines, c'était dans la société, vous pouvez penser ce que vous voulez, et vous n'arrivez pas à convaincre les gens comme ça. Hein. Si vous dites que le capitalisme est très bien ou très mal, vous n'allez pas le démontrer sur un tableau. Mais est-ce que dans la vie quotidienne, par exemple, je sais pas, il est intéressé par le jardinage, puisqu'après Il avait trois passions dans sa vie, il a reconnu, parce qu'il a fait après, quand il a arrêté la recherche, il a écrit beaucoup, donc on a énormément de choses sur lui. D'ailleurs, il y a des bouquins là, qui sont de plusieurs milliers de pages. Donc il a écrit où explique à la fois les mathématiques et puis en même temps sa vie et comment s'est fait le lien. Et donc en réalité, il explique qu'en réalité, il a entré dans une logique complètement différente, et il avait trois passions dans la vie. C'était les mathématiques, bien sûr, parce que pour lui, c'était pas un travail. Il méprisait les gens qui faisaient des mathématiques pour gagner leur vie. Donc pour lui, c'était vraiment quelque chose qu'on fait à fond. C'était une sorte d'art, c'est-à-dire c'était une sorte de pour arriver à comprendre le mystère du monde. Et puis deuxièmement,
la mystique, parce qu'il a, à partir de 40 ans à peu près, il est entré dans la méditation, le bouddhisme, des trucs comme ça. Donc il s'est mis là-dedans et ça a augmenté jusqu'à la fin de sa vie, à tel point qu'à la fin de sa vie, et avec l'isolement, parce qu'après, il a coupé tous les ponts avec ses amis. On va y revenir. Oui. Et donc, il considérait que il y avait deux deuxièmes points de vue, et puis le troisième, c'était les femmes. Il a toujours été très branché dessus. Il a eu trois épouses. Il se rapproche du commun des mortels. Oui, il a eu six enfants. Bon, il était un peu spécial. Et donc, en fin de compte, et puis il a tourné complètement son mode de vie, c'est-à-dire qu'après avoir été un scientifique classique, il est devenu une sorte de hippie. Il a vécu d'une manière. Alors, d'abord, il est autour de Paris, dans des communautés qu'il a essayé de monter, et puis ensuite, à Montpellier, autour de Montpellier. Alors, comment il est arrivé à Montpellier? Ça, je dois quand même l'expliquer. Quand il a décidé qu'il arrêtait la recherche, bon, il lui fallait quand même un gagne-pain. Et donc, il a d'abord été professeur invité au Collège de France pour un an. Et normalement, si vous faites vos cours, l'année suivante, vous êtes titularisé et vous êtes à vie professeur au Collège de France, qui est une position tout à fait confortable. Mais lui, quand il est arrivé au Collège de France, au lieu de donner des cours de maths, il a donné des cours sur l'écologie politique, c'est-à-dire qu'au contraire, il faut arrêter la recherche. Donc, quand à la fin de l'année, il est arrivé, la majorité des professeurs ont voté contre lui pour pas qu'il soit. Donc on n'a pas renouvelé le bail, quoi. Ben voilà. Alors là, il a proposé sa candidature. Il a essayé d'avoir un poste dans une université parisienne. Et donc, les gens étaient très intéressés parce qu'il était très connu. Mais il disait si je vous avertis, si je suis recruté comme professeur de mathématiques, je n'enseignerai pas les mathématiques. Bon, évidemment, c'était un peu original. Et donc, il n'a pas été recruté. Alors, il est arrivé à Montpellier parce qu'à Montpellier, ils n'avaient pas le niveau des universités parisiennes. Et par contre, ils avaient eu Grothendieck. D'ailleurs, actuellement, il y a le département de mathématiques qui s'appelle maintenant Alexander Grothendieck. Et c'était la vedette, quoi. Et donc, ils cherchaient absolument à le recruter. Ils étaient tout contents que l'université parisienne le refuse. Mais par contre, ils étaient embêtés par ce problème. Parce que s'il n'enseignait pas, qu'est-ce qu'un professeur de mathématiques qui n'enseigne pas? Donc, ils sont arrivés à trouver un compromis. C'est-à-dire qu'ils devaient donner il ne devait même pas donner des cours, discuter avec des étudiants en thèse de mathématiques pour les ouvrir à la fois aux mathématiques et à ce qu'ils pensaient. Et moi, j'étais à cette époque à l'université de Montpellier, j'y étais pendant 15 ans, et entre mes missions, puisque moi j'ai passé 10 ans en Antarctique, en 20 missions, et donc j'étais là et je regarde par la fenêtre, je vois Grothendieck avec un parterre d'étudiants autour de lui, et il était en train, sur le gazon, parce qu'il n'aimait pas travailler en salle. Et donc, on s'est retrouvés, et là, chaque fois comme il habitait à 30 km de Montpellier, et qu'il se baladait à vélo moteur, quand il faisait mauvais, il venait dormir chez moi et manger, donc ce qui fait qu'on a eu beaucoup de discussions, et que j'ai quand même pas mal d'avis, et que c'est pour ça que j'ai réfléchi après qu'il ait coupé les ponts. Vous discutiez de tout et de rien. Voilà. Alors, c'est assez curieux, parce que, par exemple, moi, je suis écologue, c'est-à-dire écologiste scientifique, mais je suis aussi écologiste politique, entre guillemets, bien que je participe pas du tout à Beauvert ou quoi que ce soit, mais par contre, j'ai toujours pensé qu'il y avait un problème dans la société, etc. Mais, donc, on était d'accord sur ce point. Mais par contre, on n'était pas d'accord sur des choses comme, par exemple, quand il voulait me faire démissionner du CNRS, moi, je ne voyais pas pourquoi j'allais démissionner du seul boulot que j'avais eu beaucoup de mal à obtenir. Et je n'étais pas... Lui, il était une star des mathématiques, et il a obtenu la médaille Field. Il n'est même pas allé chercher l'argent qui allait avec. Il l'avait offert aux Vietnamiens. Alors, il a obtenu, ça devait lui être remis à Moscou, mais quand même à Moscou, d'une part, il y avait eu des problèmes, etc., avec des personnes qui avaient été persécutées par le pouvoir, et d'autre part, que son père avait été condamné à mort deux fois sur place, il n'a pas voulu y aller, et d'autre part, il a obtenu ensuite le prix Crawford, qui est une sorte de consécration de mathématiques, et qui était avec, je ne sais plus combien, je crois que c'est
300 000 euros, un truc comme ça, énorme. Et donc, il a refusé. Donc, il a écrit au Monde pour dire que pas question, et que de toute manière, là, un chercheur, ça ne se mesure pas au prix ou à l'aide financière qu'il a, ça se mesure à sa descendance sur le plan scientifique. Donc, c'était vraiment un cas particulier. Mais vous parliez aussi de la vie politique intérieure française, de je sais pas quoi, de cuisine, de ça l'intéressait. Oui, non, il était très branché. C'était quelqu'un de polar, un polar. Et ce qui est curieux, après coup, parce que sur le moment, je n'étais pas du tout moi, branché sur ces histoires. Je pensais même jamais faire un bouquin sur lui. Mais c'est après, quand il a coupé les ponts avec tous ses amis et sa famille, que je me suis dit, c'est quand même curieux, un gars qui pousse les limites à ce point, c'est pas habituel. Donc après, il disparaît de la circulation. Alors, d'abord, il a été prof à l'université de Montpellier. Ça a duré combien d'années? Ça a duré 10 ans. Et puis ensuite, d'une part, il y avait des jalousies avec les gens de son département. Certains estimaient qu'il était un peu trop favorisé, qu'il n'avait pas, que c'était eux qui étaient obligés de faire le sale boulot d'enseignement. Et donc, ils n'étaient pas très contents. Et puis, ils ont commencé à lui faire des crasses. Et puis ensuite, lui, à ce moment-là, il a voulu partir. Il est allé dans le Vaucluse. Et il s'est enfermé. Il a demandé un poste au CNRS pour pouvoir avoir l'autorisation d'arrêter d'être universitaire. Et il est redevenu chercheur. Enfin, il est redevenu. Il est devenu chercheur au CNRS comme il avait été chercheur à l'Institut des hautes études scientifiques. Mmh. Et donc là, il s'est enfermé. Alors là, il commençait un peu sa retraite. C'est-à-dire que, par exemple, quand il avait un téléphone au fond du jardin pour appeler les gens. Mais quand on l'appelait, il ne répondait pas, puisque c'était au fond du jardin. Ah oui, c'était à sens unique. Voilà. Là, il commençait à se refermer. Ah ouais. Et puis après, il est parti dans les Pyrénées, en Ariège, pas loin du camp où avait été interné son père. Et c'est pour ça que ça s'explique beaucoup son point de vue, sa manière de voir. Vous reliez le fait qu'il soit allé s'installer dans ce village d'Ariège. En fin de compte, il a idéalisé son père, qui était un cas extrême, unique. Il vous en a parlé, de son père? Il en parlait? Non, il ne parlait pas de sa famille, de ces trucs. Il était assez discret, en fin de compte. Il se vantait jamais. Hein. Donc, ce n'est pas du tout le gars, je suis médaille Fields, etc. Moi, je l'ai appris par hasard. Je l'ai même appris avant. Enfin, les détails, je l'ai appris qu'après. C'est quand il a disparu de la circulation et que je me suis demandé pourquoi... On n'était pas toujours d'accord, parce qu'il avait une forte personnalité. Mais par contre... on n'avait pas de problème. Donc j'étais surpris qu'il ait coupé les ponts comme ça brutalement, et même avec ses enfants. Et donc je me suis demandé qu'est-ce que c'est ce gars. Et donc il y avait une certaine distance alors entre vous finalement. C'est pas oui, moi je suis pas un ami intime de. Non mais personne alors. Oui, il avait quand même certains étudiants sont restés. Il avait un rapport affectif. Avec eux, c'est-à-dire entre vous, par exemple, vous vous tutoyez ou... Oui, on se tutoyait, bien sûr, mais par contre, on n'avait pas de vie en commun. Moi, je l'estimais, lui, je sais pas, mais enfin, en tout cas, et pas de familiarité. Non. Mais enfin, on était, vous savez, dans ces milieux-là, on n'est pas distant non plus. C'est pas professoral. Mais par contre, par exemple, on n'a jamais parlé de mon boulot et de ce qui me paraissait important, c'est-à-dire l'écologie scientifique, parce que l'écologie scientifique, jamais. Ça précède l'écologie politique, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à l'écologie... En France, ce n'est pas le cas, parce qu'on a oublié l'écologie scientifique, mais en fin de compte, l'écologie politique est l'application à l'homme, à une seule espèce, d'une science qui date d'un siècle avant. Un siècle avant l'écologie politique. Et l'écologie politique est apparue justement... dans les années 70, pas seulement de ta part, mais de gens comme Pierre Fournier, comme Ellul. Oui, Ellul, Charbonnier. Voilà. Est-ce que vous en parliez de ces personnes-là avec... Oui, j'en parle, je les évoque. Ah oui, j'en parlais, on n'en parle pas, on n'en parlait pas comme ça. On en parlait à bâton rompu, c'est tout. On n'avait pas de thème, on parlait comme ça. C'est pour ça que j'avais même pas prévu de faire un bouquet sur lui, bien sûr. D'accord. Mais quand il lance sa revue, Survivre et Vivre... Alors, il a d'abord, ça s'est appelé Survivre, et puis après, ses copains lui ont dit c'est un peu trop négatif, donc ils ont rajouté Vivre. D'accord, mais là, il était en contact avec tous les alors à l'époque, il était à Paris, et donc il était dans des groupes écolos, oui, disons,
Et puis ensuite, il est allé vivre en communauté, il a quitté sa famille, etc. Et puis ensuite, il est parti à Montpellier quand il a obtenu son poste. Et donc, à ce moment-là, on se croisait. À Paris, on ne se voyait pas souvent. Hein. Par contre, à Montpellier, on se voyait plus souvent puisqu'il venait régulièrement. D'accord. Et ensuite, donc, la dernière période de sa vie, où là où il rompt avec tout le monde, y compris ses enfants, il avait un garçon, une fille, et il vit comme un moine. Six enfants. Et là, il recevait plus personne, y compris sa fille, qui a essayé de le voir. Donc, c'est très particulier. À mon avis, et l'avis de certains de ses anciens élèves, c'était pathogène, parce qu'il s'enfermait complètement. Il ne sortait même pas dans le village. D'une part, dans le village, personne ne savait ce qu'il faisait exactement. Et d'autre part, lui-même ne recevait pas. Il y a des chercheurs américains qui ont essayé de le voir. Il n'a pas reçu, il n'a pas ouvert la porte. Il s'enfermait. Donc, c'était quand même très particulier. Et à la fin de sa vie, je pense, ce n'est pas mon avis, puisque je ne l'ai pas vu à cette époque. Moi, je n'ai pas cherché à connaître son adresse et à forcer son intimité. Mais par contre, il y a quelques rares personnes qui l'ont croisé et qui disaient qu'il devenait paranoïaque. C'est-à-dire, il était... D'accord. Donc, il a été un des plus grands mathématiciens de son époque. Oui. Ensuite, il est devenu écologiste. C'est plus qu'un grand mathématicien. Il semble, d'après ce que disent les spécialistes, c'est le mathématicien qui a renouvelé le plus la discipline. Bon, très bien. Il a laissé des dizaines de milliers de pages sur lesquelles travaillent encore des tas de chercheurs. Non. Actuellement, Montpellier, on m'a dit qu'il y avait des... Non. Il a publié ses résultats. Et il a publié aussi ce gros volume de l'élément de géométrie algébrique. Mais après, il s'est mis dans l'écriture et il a écrit des milliers de pages dans un français assez châtillé parce qu'il était, c'était pas sa langue primaire, le français. Et donc, comme beaucoup d'étrangers qui ont vraiment étudié la langue, il parlait un français très, très précis. Et donc, il a fait un peu son analyse. Il a essayé de comprendre ce qui s'est passé, comment il voyait les choses. Il a fait un peu le bilan. Et ce bouquin de base là qui est maintenant édité par l'édition Gallimard depuis 2 ans, eh bien, il a été refusé par tous les éditeurs parce qu'il est même un truc à moitié, un pavé énorme qui parle de mathématiques à très haut niveau, de rien, mélangé avec la vie du bonhomme. Bon, c'est pas évident. Oui, il faudra les reins solides pour. Voilà. Mais bon, il a été mathématicien brillant, tout ce qu'on veut. Puis après, il devient donc écolo pur et dur. Mais finalement, son message, c'est le message actuel. Il a eu raison avant tout le monde. Ben oui, c'est pour ça qu'à mon avis, il revient à la mode. C'est-à-dire qu'actuel, à l'époque, dans les années 70, bon, il n'était pas le seul, mais il était un des plus... Pierre Fournier le considérait comme le pape de l'écologie politique. Et donc, c'était un leader, disons. Mais il a essayé de passer le message à ses collègues qui ont dit... Qu'est-ce que ça a à voir, ce truc-là? C'est pas parce qu'on va démissionner qu'on va arrêter les problèmes de la société actuelle. Et d'autre part, il est allé même au CERN, qui est un centre spécial là, qui se trouve auprès de Genève. En Suisse, oui. Voilà, en Suisse. Et donc, et qui est franco-suisse, disons. Et puis, il est allé faire une conférence, qui est d'ailleurs sur Internet, oui. Et que j'ai repris dans mon bouquin, parce que j'ai essayé, dans mon petit bouquin, de réunir à la fois... une biographie résumée avec des éléments majeurs, des photos et aussi des morceaux choisis. Donc, pour qu'on se fasse une idée. Et puis, la partie la plus originale, c'est la deuxième partie, c'est où j'essaye d'expliquer, de comprendre pourquoi il est arrivé à des trucs aussi bizarres, aussi paradoxaux. En fin de compte, c'est la suite logique. C'est-à-dire qu'il a cru en les mathématiques qui allaient refaire le monde. Et puis ensuite, il a cru... que la science était condamnable, et ensuite il voulait changer la société. Mais bon, évidemment, il ne suffit pas de le dire pour le faire, et c'est bien plus difficile. En fin de compte, c'est très difficile de trouver ce qu'il a trouvé, mais c'est plus facile que d'expliquer aux gens qu'on va dans le mur et qu'il y a des problèmes. Et donc, et par contre, maintenant, il n'est pas le seul, d'ailleurs, il y a donc les gens qu'on a cités qui ont vu dès les années 70, il y a même avant, il y a des gens, si on doit chercher dans les antériorités, il y a des gens comme Henri David Thoreau,
qui est le fondateur, lui, vraiment, de l'écologie politique, et qui, lui, est un Américain, et qui se disait que c'est pas possible de continuer comme ça, la consommation, etc. Et bon. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que scientifique du CNRS, du parcours de cet homme-là, qui dit, à un moment donné, stop, on arrête, tout ce que l'on fait, ça ne contribue qu'à aggraver la situation, donc il faut faire marche arrière, en tous les cas, il faut arrêter tout ça. Mais je pense que c'est ambigu. C'est-à-dire, il ne croyait pas au progrès. Il ne croyait pas au progrès, il ne croyait pas à la science. Enfin, il croyait au progrès, comme, je ne sais pas ce qu'il disait, c'est Michel tout à l'heure, qui disait, comme il citait les mots d'Orwell, qui disait que les progrès, qu'est-ce que ça apporte de meilleur à l'humain? Et c'est ça l'important. C'est pas le progrès dans l'absolu, ça veut rien dire. Et donc, moi, je pense qu'il y a un problème, justement, sur le mot du progrès. C'est-à-dire que le progrès, c'est une sorte d'arnaque. C'est-à-dire que le mot en lui-même, c'est un piège. C'est-à-dire que d'un côté, ça veut dire mouvement, et puis de l'autre côté, mouvement dans le sens positif, uniquement. Il n'y a même pas de nom s'opposant au progrès pour dire le contraire. C'est pour ça que le copain de Pierre Kropotkine, qui s'appelait Élisée Reclus, a inventé le nom de régrès. C'est-à-dire l'opposé du progrès, parce qu'en fin de compte, un progrès, une innovation technologique, ça peut aboutir à du bien, mais ça peut aboutir à du mal. Alors qu'avant, on ne se posait même pas, depuis l'époque des Lumières, on ne se posait même pas le problème. C'est-à-dire que c'était obligatoirement positif. Quand vous revenez aux sources, c'est-à-dire au débat virulent entre Jean-Jacques Rousseau et Voltaire, vous avez Jean-Jacques Rousseau qui remet en question la société, les civilisations, etc., alors que Voltaire, lui, est tellement porté par l'époque qui est dans le progrès au sens réel, qu'il a raison, par définition, parce qu'il peut y avoir que du meilleur à cette époque. Alors que maintenant, on est à la bonne époque pour se poser le problème. C'est-à-dire qu'actuellement, on sait, avec le changement climatique, avec la guerre en Ukraine, avec Trump et... Mais donc, il a eu raison, Grothendieck. Mais oui, voilà. Oui, mais d'un autre côté, sa solution n'était pas, c'est pas aussi simple que d'expliquer aux scientifiques qu'il faut arrêter de travailler. D'une part, les scientifiques ne peuvent pas obligatoirement s'arrêter. Moi, si j'arrête de travailler au CNRS, qui me convient tout à fait, moi, je suis au chômage parce que je ne suis pas une vedette des mathématiques. Et donc, la méthode qu'il estimait s'appliquer à tout le monde s'appliquait en réalité qu'à lui. Et d'autre part, moi, j'avais un domaine qui pas du tout en rapport avec la guerre. Par contre, il avait raison sur son danger. Par exemple, l'analyse qu'il fait de l'état du monde et de la direction dans laquelle on va. Pas seulement. Même en mathématiques, il était dans des problèmes purs, pas du tout appliqués. Mais néanmoins, maintenant, ce qu'il a mis en évidence, c'est utilisé actuellement dans le décryptage des codes bancaires. Donc, on est compte qu'il y a des utilisations d'intelligence artificielle. Par exemple, il y a un de ses élèves qui, maintenant, travaille avec Huawei, la marque d'État chinoise. En présentant tous les trouvailles de Grothendieck pour essayer de renouveler l'intelligence artificielle. Oui. Donc, vous rendez compte que... Et ça, en mathématiques, bon, c'est compréhensible parce que c'est un langage universel qui peut s'appliquer à n'importe quoi. Mais dans les domaines où je travaillais, moi, ça n'avait rien à voir. Mais enfin, en tout cas, donc à la fois... Son diagnostic était le bon, en tous les cas. Le diagnostic qu'il a porté était le bon. Mais il n'était démontrable que maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les problèmes qu'on a actuellement. Moi, je le savais, il y a 50 ans que je suis au courant que le changement climatique est en train d'arriver. Mais par contre, à l'époque, c'était dans les années 70, donc au tout début, c'était pas net, il y avait des gens qui critiquaient. Bon, maintenant, tous les scientifiques sont d'accord sur le fait que le changement climatique, d'une part, est présent, et d'autre part, est dû à l'homme. Mais vous avez encore la moitié de la population aux États-Unis qui pense le contraire, que c'est dans la Bible qu'il faut regarder pour savoir ce qu'il faut faire. Et que s'il y a des problèmes terribles de tornades ou autres, eh bien, c'est parce qu'on a fait des mauvaises actions et que Dieu nous punit. De Grothendieck, vous diriez que c'était un prophète que l'on n'a pas voulu écouter. Oui, mais qui était aussi assez naïf, parce qu'en fin de compte, ses méthodes n'étaient pas applicables. C'est-à-dire qu'il était un peu le messie d'une nouvelle vision du monde. Il avait un côté messianique, c'est-à-dire que par sa famille,
comme par l'anarchisme, il est passé de la religion du judaïsme de ses grands-parents à ses parents qui étaient anarchistes, qui étaient une sorte de croyants en la révolution future, la société future. Et puis lui, avec les mathématiques, il avait l'impression qu'il allait changer d'une part la science et puis ensuite le monde. Mais en réalité, bon, c'est pas aussi simple, et c'est ce qui l'a poussé à s'enfermer. Est-ce que vous êtes surpris par la notoriété dont il jouit aujourd'hui? Ben non, non, au contraire, je trouve que, en fin de compte, en faisant ce qu'il a fait, qui était complètement incroyable et aberrant, il s'est mis en évidence. C'est-à-dire qu'actuellement, les gens se demandent, quand ils voient sa vie et sur son histoire, comment il a pu en arriver là. Et il y a des fans de Grothendieck actuellement. Leila Schneip, qui est une mathématicienne qui est à Paris, a monté sur Internet un site en anglais qui s'appelle Grothendieck Circle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a des fans. C'est-à-dire qui vont à mon... Moi, j'ai essayé, dans mon bouquin comme dans mon appréciation de Grothendieck, j'ai essayé d'être neutre. C'est-à-dire que, bon, je reconnais que c'est un homme hors du commun, mais j'essaie de voir aussi quelles étaient ses failles. Hein. Et j'essaie de comprendre comment il est passé d'une personnalité, comment tout s'explique. Mais par contre, il y a beaucoup actuellement de gens qui prennent Grothendieck comme une sorte de saint. Gourou. Oui, gourou, voilà. Il va y avoir un film sur lui, non? Il y en a déjà eu un. Et il va y avoir... là, il y a 15 jours, j'étais à Montpellier, à l'université. Il y avait une journée Condorcet, c'est-à-dire le fondateur, disons, du scientisme, qui était consacré à Grothendieck. Et puis, il va y avoir un bouquin sur la philosophie de Grothendieck. Je suis un peu surpris, d'ailleurs, parce que ce n'était pas un grand philosophe, mais à mon avis. Mais par contre, il est pris au sérieux par pas mal de gens. Et il faut dire que ce qu'il a annoncé est en train de se réaliser. C'est-à-dire, au changement climatique, on n'a toujours pas de solution. Et ça, on ne sait pas jusqu'où ça ira. Personne ne sait. Actuellement, je suis persuadé que ça va aller plus loin que ce que c'est actuellement. Est-ce que vous, il vous a influencé? Est-ce qu'il a influencé votre vie? Oui, parce que j'étais déjà convaincu. Hein. C'est pas, il m'a pas appris grand chose. Non, non. Mais par contre, et même je trouvais qu'il y avait des choses qu'il connaissait pas. Par exemple, l'écologie scientifique, il savait pas ce que c'était, ça l'intéressait pas. Lui, c'était l'action sur l'homme qui intéressait. Mais par contre, le sérieux avec lequel il abordait les problèmes, parce que lui, il abordait jamais les problèmes à moitié, hein, donc il allait tout de suite au bout. Et donc ça, j'ai pensé que c'était intéressant et que c'était la preuve de quelqu'un qui vraiment se rend vraiment à l'intérieur des problèmes. C'était d'ailleurs sa méthode en mathématiques. En réalité, il a appliqué les problèmes d'écologie politique comme il avait travaillé sur les mathématiques, c'est-à-dire en essayant tout de suite d'aller au centre, d'y réfléchir et d'aller jusqu'au bout. Et là, en effet, ce qu'il a fait prévu, mais qu'il n'était pas le seul, puisqu'il y a plusieurs personnes de son époque, là, c'est les années 70, c'est la suite des années 68, et là, il y a pas mal de gens qui se posent des problèmes sur l'avenir de notre société. Et vous étiez un lecteur de la revue Survivre et Vivre? Oui, puisque j'ai même contribué à la faire imprimer, oui. Sur Offset. Qu'est-ce que vous en pensiez? Vous trouviez que c'était une bonne revue? C'était à la fois très important, très utile, mais c'était un peu naïf, quoi. C'était des militants écolos, quoi. Parfois c'était vraiment adapté. C'est-à-dire que, par exemple, la critique de la science, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça. Je ne connais pas, moi, d'ailleurs. En fin de compte, il remettait en question la science. Mais je pense qu'il y avait un malentendu, ce que j'explique un peu rapidement dans mon bouquin, c'est que la science, ça a au moins deux significations. Soit la connaissance, et à mon avis, c'est quand même utile, et puis c'est la technologie. Et là, je pense que là, ça peut être inutile et dangereux. Et lui, il mélangeait tout. Donc au début de sa vie, il acceptait la science-connaissance, et puis après, il considérait que la science, c'était tout mauvais. Et je pense que là, c'est trop. Et donc, en réalité, il était obsédé aussi, à la fin de sa vie, par l'aspect, on pourrait dire, religieux, mystique de tous ces problèmes. C'est-à-dire qu'il considérait que l'homme va vers le mal
Et donc, il revenait à tout son passé de sa famille de rabbin juif, puis ensuite de militant anarchiste, et puis lui de fanat, de fou des maths. Et donc, il appliquait à ça. Il avait toujours une vision presque messianique de tout ce qu'il faisait. Il est mort dans quelles circonstances précises? Bon, il est mort de sa belle mort, c'est-à-dire à 86 ans, dans l'hôpital de Saint-Girons. Et donc, mais par contre, il a accepté, ce qui est quand même, ce qui prouve quand même qu'il n'était pas si fou que ça, c'est qu'il a accepté de voir sa famille sur son lit de mort. Donc, ses enfants l'ont, oui, il oui. les a reçus, oui. revus avant oui. de mourir. Oui. D'accord. Mais enfin, ce qui est impressionnant toujours chez lui, c'est quand même, il menait les choses jusqu'au bout, quoi. Et il n'acceptait pas les compromis. Il ne cherchait pas, normalement, dans la vie, on est continuellement obligé de trouver des compromis. Je ne vous l'apprends pas, tout le monde le sait. Mais lui, quand il avait une idée dans la tête, il allait au-delà. Et ce qui fait que, par exemple, Jean de Donnay, qui a été d'abord son directeur de thèse, puis ensuite son collaborateur pour rédiger les bouquins principaux, eh bien... Ils ont organisé un congrès de mathématiciens à Nice, et lui est allé pour, d'une part, distribuer des tracts sur ce livre à vivre pour expliquer qu'il fallait arrêter la science, et d'autre part, il a pris la parole pour dire que c'était nul, les mathématiques, il fallait arrêter. Quoi. Donc, évidemment, c'était pas très sympa, mais quand il avait une idée, il poussait jusqu'au bout, quitte à se fâcher avec les amis. En tout cas, sa notoriété, à mon avis, ne va faire que enfler au fil du temps. Enfin, aujourd'hui, on commence à en reparler. Sur France Culture, il y a une série cet été qui était formidable. Vous avez raison de la signaler parce qu'elle est remarquable. Si vous voulez en savoir sur Grothendieck plus que ce que vous entendez ici, il faut le voir parce qu'il y a des témoignages. Il y a 5 épisodes d'à peu près 3/4 d'heure, je crois. 3/4 d'heure, une heure, oui. Voilà. Et donc, ils sont très bien parce qu'ils donnent des témoignages différents de ses élèves, de sa famille, etc. C'est pas mal. Et de jeunes chercheurs qui, voilà. Certains d'entre eux, ont rompu... Un peu comme lui. Alors en plus, il explique dans ses bouquins aussi qu'il est entré en conflit avec certains de ses étudiants qui avaient été d'abord des fidèles, qui suivaient, qui avaient compris ce qu'il faisait, qui poursuivaient son travail, et puis après, quand il a démissionné, qui ont pris sa place dans les studios d'études sociales, mais évidemment, et scientifiques, et qui ont pris, en fin de compte, la place de Grothendieck, qui se trouvait libre. Donc, il estime qu'ils se sont servis de ces découvertes et qu'ils ont occupé sa place. Mais ça, c'est un conflit. Moi, je suis dans la recherche depuis toujours, et c'est courant, hein, c'est-à-dire l'élève qui veut prendre la place du maître et qui, après, estime que le maître est nul et qu'il fait mieux. Bon, c'est formidable pour vous d'avoir croisé cette personnalité, non ? Ben oui, d'autant plus que je n'avais rien prévu. Moi, c'était tout à fait par hasard, parce qu'à Paris, je ne savais pas qui c'était. Je l'aidais comme ça pour lui rendre service, c'est tout. Et puis après, à Montpellier, là, on discutait, etc. Donc, je l'ai fréquenté et je me suis aperçu qu'il était quand même hors du commun. Mais il était buté, c'est-à-dire que quand il avait une idée dans le crâne, c'était jusqu'au bout. Et c'est ce qui a fait sa force en mathématiques, parce que il essayait de réfléchir à tout ça, et puis après, il avait sa vision des choses, après, il poussait au maximum, il le démontrait, et voilà, il arrivait à faire mieux que les autres. Voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, j'espère que tout ça vous a intéressé. Et donc, à la prochaine fois. Thank you.